Mais il y a un autre également phénomène aujourd'hui en Algérie, c'est un peu l'influence des stars, surtout du football, qui sont les mieux payés que les banquiers, mais qui se laissent aller à des comportements de voyous, permettez l'expression, qui influencent énormément. Ce sont eux qui créent cette violence-là. Lorsque vous voyez un joueur qui frappe un entraîneur ou qui frappe un arbitre, son comportement également, ses paroles qui sont souvent des appels à la violence, constituent un véritable problème aujourd'hui. C'est pour ça que l'un des appels de la Forum, c'est de faire d'élaborer un code d'éthique au niveau de ces personnes-là, de ces sphères-là, pour que ce code soit respecté par tous ces gens-là. Et s'il n'est pas respecté, il doit entraîner des sanctions définitives et non pas des sanctions qui bénéficieraient, bien sûr, de pardon ou d'excuses après 2 mois, 3 mois. Donc il faut absolument qu'il y ait une discipline et une rigueur dans ce monde-là, parce qu'il influence trop les enfants et il faut prendre des mesures urgentes pour arrêter le massacre.